Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un haul Jiffy. Oui. J'ai été faire un petit tour chez Jiffy parce que j'ai reçu une carte cadeau de la part de Jiffy, des idées de génie. Merci à Souad, celle qui m'a contactée par mail pour me proposer ce partenariat avec Jiffy. Donc j'ai accepté bien sûr avec plaisir donc ce partenariat parce que je connaissais pas, j'ai jamais été chez Jiffy. Donc c'était l'occasion de d'y aller, de découvrir ce magasin. J'ai vu pas mal de hauls Jiffy qui m'ont vraiment donné envie d'y aller. Mais bon, c'est en France, il n'y en a pas en Belgique. Du coup, ben, j'en ai profité. J'ai acheté des petites choses, des choses que j'avais besoin, vraiment, et des petites choses que je trouvais hyper mignon. Donc voilà, on va passer tout de suite au haul. La première chose que je vais vous montrer, c'est un truc assez imposant quand même, que je voulais depuis longtemps, mais que j'ai jamais eu l'occasion de l'acheter, et puis je zappe chaque fois et tout. C'est un truc que je voulais absolument, et quand je l'ai trouvé là-bas, j'étais hyper contente. Hyper contente, en plus pour le prix que ça coûte, franchement, ça coûte rien du tout. Je vais vous mettre le prix quelque part, par ici ou par là, comme d'habitude. Donc voilà, j'ai acheté un aspirateur balai. Donc voilà, je vous le montre comme ceci. Je l'ai testé les filles, il est génial. Franchement, quel bonheur, quelle facilité. Il est hyper maniable. En fait, il tourne en rotatif comme ça, il va dans les petits coins et tout. Franchement, j'ai adoré. J'ai pas fait la vidéo tout de suite en me disant, je vais d'abord le tester pour vous donner mon avis. Et franchement, les filles, c'est un très bon achat. Je suis hyper contente. Vous imaginez même pas à quel point. Donc voilà, il m'a facilité la vie, un truc de fou. Parce que moi, j'ai un bon aspirateur, mais il faut sortir le fil, il est un peu lourd. Il faut changer de fil chaque fois que je vais dans un endroit à un autre. Il est assez long le fil, mais bon, il faut quand même à un certain moment changer de prise. Mais ça, et surtout quand on fait tomber des petites miettes, des miettes, vous savez, avec des enfants, c'est pas évident. Du coup, ben, c'est trop facile, on prend le truc, on passe un petit coup. Et alors, regardez, donc c'est un aspirateur donc normal, comme un aspirateur normal, un manchon normal. Et alors, on peut l'utiliser aussi tout simplement comme ramasse-miettes. Comme vous voyez ici, en fait, ça se détache. Et alors, on peut simplement comme l'utiliser comme ramasse-miettes de table. C'est vraiment trop pratique et trop génial. Il se charge rapidement, assez rapidement, avec une prise bien sûr, prise normale. Et voilà, en fait, il y a un emplacement pour le mettre pour qu'il charge. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il marque ici? Brosse rotative et amovible. Il marque aussi support de charge avec chargeur intelligent qui préserve la batterie. Recharge rapide 3 heures. Témoin de charge. Filtre EPA lavable. Déverrouillage facile de la brosse. Tient debout tout seul. Moteur donc 14,8 volts et batterie lithium 2000 mAh. Longue vie. Pas d'effet mémoire. Puissance constante. Autonomie 25 minutes. Puissant. Voilà. Remplace un aspirateur traîneau. Donc franchement, il est vraiment génial. J'en suis très contente. Foncez les filles si vous le trouvez. Il coûte plus ou moins une cinquantaine d'euros, même pas 50 euros. Et le filtre, il est lavable en fait. Donc vous l'enlevez et ça se lave et on le remet. Donc génial. Franchement, un super bon achat. Merci Jiffy. Franchement, quand je l'ai vu, je l'ai pris directement, je l'ai mis dans le panier. Donc voilà les filles pour mon premier achat. J'ai acheté ce magnifique petit tabouret que j'ai vu défiler sur pas mal de chaînes YouTube de leur achat Jiffy. Et moi, je l'ai pris en rose poudré, comme ça, il est juste trop beau. Il n'était pas cher non plus. Voilà, avec 4 pieds en bois, comme ça, il est magnifique. Il est trop bien. Regardez-moi la qualité. Franchement, la qualité est hyper bien. Il n'y a rien à dire. Il est bien fini avec des trucs pour protéger pour le sol. Donc voilà, regardez-moi ça. Il est trop beau. Trop, trop beau. Je suis trop contente.
Alors, j'ai pris aussi un truc que j'avais vraiment, vraiment besoin. En fait, j'ai acheté ce plateau-là parce que le mien, il est mort. Voilà, il est mort. Et en plus, je cherchais un qui est grand, assez grand. Parce que quand je fais une lasagne, tout le monde adore ma lasagne. Du coup, je fais une grosse quantité. Et voilà, donc j'ai pris un que j'ai trouvé là-bas. Il fait 40 par 28 par 8. Donc, c'est un plat à four, antidérapant, génial. Je suis trop contente. En plus, il est haut. Vous voyez, il est assez haut. Donc, et ma lasagne, il est assez haute aussi, grosse. Donc, voilà, je l'ai acheté. J'avais vraiment besoin, j'en avais plus. Et du coup, ben, super, super, super. Alors, j'ai trouvé une petite bougie magnifique. En fait, c'est le message qui m'a poussée à la prendre. Mais elles sont aussi bonnes. Hein. Mais je ne sais pas, je ne l'ai pas encore testée pour vous dire si elle embaume la pièce ou pas. En tout cas, elles sont hyper bonnes, un peu vanillées, un peu sucrées comme ça. C'est une bougie parfumée, fruits des tropiques. Voilà. Et le message, c'est le bonheur n'est pas une destination, c'est un style de vie. Franchement, j'adore. J'adore, regardez-moi, elle est hyper chouette la bougie, elle est super belle. Et avec des petites flèches comme ça, super mignonne. Et on peut l'utiliser, donc vous pouvez le réutiliser après pour mettre ce que vous voulez dedans. Donc super beau, voilà, trop 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 beau. Je vous mettrai les prix hein, les filles, vous inquiétez pas. Alors, j'ai trouvé aussi un petit rangement que j'ai trouvé super beau. C'est un petit rangement pour mettre des feuilles et tout ça. Mais moi, je pense que je vais le bomber en argenté, je pense. Et mettre mes plus belles palettes que je vais exposer quelque part. Alors les filles, pour celles qui me demandent tout le temps la vidéo pour mon rangement make-up, ça va arriver. Pas tout de suite, mais ça va arriver parce que je vais tout changer mon rangement make-up. Vu que j'ai beaucoup, énormément et tout, je vais racheter plus de meubles à tiroirs. Donc voilà, faire une petite décoration sympathique. Donc la vidéo va arriver, je ne sais pas quand, mais ne vous inquiétez pas. Ça va venir, il faut juste que j'ai le temps de réarranger, de racheter les meubles à tiroirs et tout ça. Donc voilà les filles, comme ça c'est dit. Donc voilà, pour ce petit rangement en bois, voilà, tout à fait en bois. Ici, c'est il y a une sorte de branche d'une feuille comme ça, où on voit à travers en fait. Hein, il y a deux compartiments. J'ai vraiment adoré, c'était le dernier, donc je l'ai pris directement. Et oui, j'ai pris une autre bougie que je trouvais hyper estivale, hyper chouette. Elle s'appelle Tropical Birds. Voilà, c'est un pot en acier, comme ça, en métal. J'ai senti, il y en avait des autres, mais moi j'ai pris celle que je trouvais qui sentait le mieux. À l'intérieur, donc la cire, elle est rose. Ça sent citron, ça sent les fruits rouges, ça sent hyper bon avec 4 mèches. Voilà, je ne sais pas si elle va bien embaumer la pièce, mais on va voir. De toute façon, moi j'ai craqué sur le packaging, hein. Clairement sur le packaging rose comme ça avec les petits flamants roses, hyper joli. Franchement, c'était pas cher. Et le dernier article que j'ai pris, il reste encore 2 articles. Ma fille, elle me demandait toujours de lui acheter un attrape-rêve. Elle voit ça aussi dans les vidéos. Et du coup, j'ai trouvé le dernier, mais le dernier, hein, il n'y avait que celui-là. Et je le trouvais hyper mignon. Regardez-moi les couleurs. Franchement, il est trop beau. Il est en couleur brun comme ça, en fil. Comment on appelle ça? Ça y est, je vais bugger. Je ne sais plus. Dites-moi les filles, je ne sais plus. Avec du fil de... Bref, je ne sais plus. Super mignon, avec des plumes turquoise, vert fluo, avec des perles aussi vert fluo, blanches, transparentes, et des sortes de flûtes comme ça, en bois, hyper mignon. Donc je vais lui mettre ça au-dessus de sa tête, lui mettre une petite vis et tout. Voilà, il est quand même assez long, hein, il est quand même assez grand, moyen quoi, juste la bonne taille. Je l'ai trouvé hyper beau. Du coup, ma fille, elle était super contente. Voilà, voilà.
Merci Jiffy. Et le dernier article, c'est ce magnifique... en fait, c'est une suspension murale comme ça. C'est comme un cadre en forme d'ananas, les filles. Il est trop beau. Et je l'ai pris en blanc parce qu'il existe en différentes couleurs. Je l'ai pris en blanc. Et alors, donc ici, vous pouvez l'accrocher par là, comme ça, contre le mur. Et ici, vous avez en fait des petites pinces pour accrocher des photos. Voilà, des petits trucs comme ça. On peut l'enlever, hein. Voilà, on peut enlever. Et alors, vous accrochez une petite photo ou quoi. Et voilà. Trop génial, j'adore. Trop, trop beau. Voilà, il y a un enfoncement comme ça derrière. Il est trop beau. Alors, voilà. J'ai aussi acheté ce miroir de porte qui est juste trop bien. Franchement, moi, en fait, à part mon miroir de ma garde-robe, mais le problème, c'est qu'il y a une ligne au milieu. Du coup, je ne peux pas me voir complètement. Et en plus, il est juste au milieu. Donc, je ne peux pas me voir vraiment complètement comme il faut. Du coup, quand j'ai trouvé ce miroir, je me suis dit, fonce, prends-le. Et au prix que ça coûte, franchement, je n'ai pas hésité une seconde. Donc, voilà, c'est un miroir qui fait comme ça. Il fait 33 par 1m23. Par 2,5. Voilà. Donc, il y a un genre de support comme ça qu'on met au-dessus de la porte pour accrocher le mur. Et il existait en noir et blanc. Moi, j'ai pris en blanc. Je suis hyper contente. Il est léger. Il est bien. Juste ce qu'il faut pour faire un try-on ou je ne sais pas, n'importe. Pour faire des photos avec ce que je porte et tout ça. J'ai trouvé ça hyper bien. Je l'ai pris directement. Mon haul Jiffy voilà. Est terminé. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, merci encore à Jiffy, à Souad qui m'a contactée pour ce partenariat. Je suis hyper contente. Ça m'a permis de découvrir le magasin. Il m'a vraiment plu, le magasin. Il est grand, il y a plein de trucs. En fait, j'ai été à celui de Lille. Donc... quand j'ai été chez Jiffy, donc j'en ai profité pour aller au Beauté Leclerc, hein, vous avez vu le haul, je ne sais pas si cette vidéo arrive avant le haul Beauté Leclerc ou je ne sais pas. Bref, vous allez voir. Mais en tout cas, j'en ai profité pour aller chez Jiffy et Leclerc à Lille, vu que c'est à 1h30 de chez moi. Donc voilà les filles, dites-moi tout en commentaire, dites-moi si mes petits achats vous auront plu, mes choix. En tout cas pour l'aspirateur les filles, si vous le trouvez, c'est franchement ça sauve la vie, c'est trop pratique. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sur ma petite tête juste ici maintenant. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me dire tout en commentaire comme d'habitude, j'attends vos retours et vos avis. Et voilà les filles, je vous fais des énormes bisous, prenez soin de vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!